Bonjour, je suis Ludovic de la Fabrique Verte. Je vais vous présenter le jardicocotte. Le jardicocotte, c'est donc un poulailler sur la partie basse, comme vous pouvez le constater, et un toit un peu plus haut, à une hauteur d'1,20 m, végétalisé. Ce poulailler jardin, on va dire, est à destination des écoles. L'idée étant de pouvoir louer dans les écoles à un tarif très faible, un poulailler totalement installé sur place, clé en main. Donc vous avez les poules, le grain, évidemment la structure pour jardiner, éventuellement même les plantes, et que autour de ce projet de jardicocotte, vous puissiez mettre en route et élaborer un programme pédagogique avec vos élèves. Donc ce poulailler sera donc installé, désinstallé sur une période de scolaire, c'est-à-dire sur environ 6 semaines. On parle souvent de bien-être animal et des fois on peut se dire en effet tiens la taille elle n'est pas très grande au niveau du poulailler. Il faut savoir qu'il fait quand même 2 mètres de long sur 70 de large. Elles ont un espace pour se promener, elles ont un espace également pour la nuit, pour être protégées du vent, de la pluie, et elles ont un espace pondoir. Au bout de 6 semaines, à la fin donc de la période scolaire, elles vont aller sur le terrain de la Fabrique Verte pendant par exemple 1 mois ou 2, et là elles auront 400 mètres carrés pour gambader, pour se promener. On dit aussi que par exemple ça sent pas bon. Alors en fait c'est totalement faux, il faut savoir qu'une poule c'est très propre, c'est aussi propre qu'un chat en fait. Et dès qu'il y a des odeurs, c'est parce qu'en fait le poulailler n'est pas suffisamment nettoyé. Nous on conseille de le nettoyer 2 fois par semaine, une fois où on va dire on fait un nettoyage léger des fientes, hein, on enlève le plus gros, et puis par exemple quelques jours plus tard, évidemment on enlève de nouveau les fientes et on vient rajouter de la paille, on remplace la paille. Alors si vous voulez en savoir plus, eh bien tout simplement n'hésitez pas à contacter la Fabrique Verte, hein, et n'hésitez pas en tout cas à suivre tout simplement la page Facebook, les réseaux sociaux de la LAOSU pour retrouver des nouvelles vidéos sur le jardicocotte.